Bonjour à tous. C'est tout naturellement que la municipalité et moi-même s'associent à la commémoration du 40e anniversaire de la mort d'Éric, tué lors d'une embuscade au Tchad le 10 octobre 1970. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Général Bijard, cette relation affective qu'il avait avec tous ces hommes, il les aimait bien. Et il parle de ces petits gars. Cette proximité est très importante, parce qu'il faut être sur le terrain, premièrement. Marat. Et pour nous, chrétiens, qui garde à vous! Titre de l'amicale des éléphants noirs. Des fleurs. Discours du colonel No. Au titre de notre amicale, ne vous étonnez pas de voir le drapeau tenu par un aviateur. Cet aviateur a permis, lorsqu'Éric est mort, l'évacuation de 8 blessés graves qui tous ont survécu, évacuation qui s'est opérée en hélicoptère, dans des conditions épouvantables, dans une tapette de sable en pleine nuit, avec un appareil qui n'était vraiment pas équipé pour ça et en pleine surcharge. Et c'est pour ça qu'il a le drapeau aujourd'hui. Que tes camarades de combat ont pris conscience de la nécessité de créer une amicale de la 6e CPIMA pour raviver le souvenir de nos 27 parachutistes tués au combat. En effet, ces morts pour la France, tombés au Tchad dans une période de 22 mois, entre septembre 69 et juin 71, ont été ignorés de la nation et traités de manière expéditive par les autorités militaires de l'époque, aggravant ainsi la douleur de leur famille. Pendant cette même période, nos 53 blessés par balle connurent un sort identique. Cette amicale dite des éléphants noirs s'est donc substituée à l'État français auprès des familles pour honorer nos parents martyrs et pour faire connaître leurs sacrifices. Je vais vous demander une minute de recueillement.
Fermez le banc.